Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 d'un violon sur le sable off. Déjà l'épisode 6, ouais, c'est incroyable. Et aujourd'hui Mathias, on va où? Eh bien on va... je sais pas, on va où? Je t'ai dit de regarder sur le programme avant de partir. Mais tu l'as pas avec toi? Mais non, je l'ai pas pris avec moi, je t'ai dit regarde sur le programme avant de partir. Mais c'est pas grave, il y a l'office du tourisme en face, on va y aller. C'est un partenaire, on va passer pour des nazes encore, Mathias. Mais non, on va se déguiser. Bah, je pense que c'est une mauvaise idée, c'est encore, mais bon. Bonjour. Tout prêt pour avoir un programme du violon sur la ville, s'il vous plaît. Violon on the street. Yes. Ouais, merci. Salut les gadio. Je l'avais dit. Okay. Mais attends, ouais, mais attends, avant de faire trop de câlins, t'as pas oublié un petit truc l'an dernier? Alors, je crois que je te dois quelque chose, mais je ne me souviens plus exactement. C'était une mousse au chocolat ou un resto? La mousse au chocolat, ouais, restaurant, c'est un peu menace. Alors, si. On met les images, on met les images et on en reparle. D'accord, donc en fait, t'as appelé tout le monde pour manger, mais nous, par contre, le off, tu nous as pas appelé quoi. Je t'invite demain. Voilà, donc tu. Oh putain, il s'est défilé encore, c'est pas vrai, putain. Ah ! Magnifique prestation encore, en plus de la scène du violon sur le sable. En plus, Sam, tu as fait les arrangements pour voilà, ce petit concert. Si je me trompe pas, vous avez quelques petites choses ensemble, quelques petits projets, non ? Juste une petite musique qu'on a enregistrée hier soir. C'est du jazz, on verra bien ce que ça donne. Ça t'intéresserait de travailler un peu plus avec ça ? Une musique, t'as magnifiquement enregistrée, donc ça fait deux pistes déjà pour l'album. On vous propose un petit projet qu'on a. On a fait un cover, tiens, je t'en donne un si tu veux regarder. Voilà, regardez bien. Disque compact. Ça vous plaît, ça vous branche un cover d'album? Alors, comme ça? Pas cette pochette là, mais oui. Ouais, ça peut être une autre photo, parce que cette photo, j'ai exactement 12 ans et demi, et je suis ravie. Voilà. Merci. Sam, on tenait vraiment, vraiment, vraiment à te remercier, le off. Parce que si vous ne le savez pas, c'est Sam qui fait toutes nos musiques, toutes les musiques que vous entendez dans le off, c'est Sam qui les fait. Donc vraiment, on tient beaucoup à te remercier. C'est un plaisir. Bon, bah tant mieux, partagez. T'es encore là? Je suis là. Bye. Está tan solo en su dolor.
tout seul. Tu peux, regarde, c'est ça. C'est dur, hein. Et c'est pas dans l'ordre, c'est pas comme sur un piano. Ouais, mais c'est bien. C'est pas mal. Et là aussi, avec ton menton. Voilà, comme ça. C'est ça. C'est le truc le plus compliqué que j'ai jamais vu de ma vie. Non, c'est pas très compliqué. Non, c'est compliqué. Les gens sont vraiment très bienveillants. Et quand on est accordéoniste, c'est vraiment formidable de faire ça, parce que moi qui ai fait du musette pendant très longtemps, il y avait un côté très musique populaire et très, c'est presque un festival de variété ou de rock, et je trouve ça formidable parce que les musiciens classiques, on n'a pas souvent l'occasion. À la base, c'était un festival de métal. Mais ça a changé avec les années. Et ça a changé, c'était une volonté ou pour des questions budgétaires? C'est ça, des trucs de guitare cassés sur voilà. Les assurances. Alors que les classicos ne cassent rien. Voilà. À part c'est les pas sûr. De temps en temps. C'est pas sûr, rien n'est cassé encore. Salut Edouard. Bonjour. Donc apparemment tu connais très bien Félicien. On joue ensemble si j'ai bien compris. On joue ensemble, enfin, je connais très bien Félicien depuis maintenant un an et demi. Ouais. Ça date de notre premier concert en Sextuor, un projet qui s'appelle le Paris des Bretelles. D'accord. Avec le Quatuor Hermès et lui à l'accordéon, donc un Sextuor voilà, avec lequel on tombe pas mal, avec lequel on va enregistrer un album en septembre. Super. Du coup, c'est ta première aussi à Royan? À Royan, oui, tout à fait, oui, c'est ma première. D'accord, exactement. Okay. Ouais. Et alors, plutôt content et tout C'est impressionnant, là, le monde, les infrastructures, l'engouement du public, ouais, et puis on a l'impression d'être à Woodstock, quoi. Ouais, c'est vrai, mais t'aurais dû garder ce t-shirt, hein, ça fait très rock'n'roll, moi j'aime bien. Moi je voulais, mais on m'a dit que non, pas non, je rigole. Non, pas trop et tout. C'est Armando? Ouais, c'est Armando. Super. Ouais. Bah, on l'a pas beaucoup entendu chanter, mais ouais. Ouais, non, j'ai essayé de le faire avec la contrebasse, mais des fois ça a pas trop bien marché. Non, c'est pas super, ouais. Ça a pas trop marché. Ouais. Double clap. Ti trovo molto bella i tuoi belli occhi. Eh, grazie. On va le faire en français. Je vais juste dire désolé pour hier. Pourquoi? C'était bien Arena. El violon sur le sablos. Non, c'était l'Arena. El violon sur le sablos. Ok. Non, c'était pas sablos, c'était les arenas. C'est pas grave. Ah, maintenant, manger dodo. Ah ouais, direct. Ah bon? Je pense que c'est un festival vraiment qui crée de rêves et des souvenirs inoubliables. Ce que j'ai vécu hier soir, et c'est, je pense que ça restera un des moments les plus impressionnants que j'ai vécu dans ma vie. Vraiment, merci et merci à tous les gens qui travaillent, tant vous, je crois qu'on a créé des amitiés. Vive le violon sur le sol.